que le Très-Haut bénisse richement. May the Almighty be blessed. Amen. Amen. Sans plus tarder, pendant ce temps que nous sommes encore debout, while we're still standing, nous allons prendre nos Bibles. We're going to take our Bibles. Pour refaire la lecture des Saintes Écritures. To read the Holy Scriptures. Apocalypse chapitre 6, le verset 14. Revelation chapter 6, verse 14. Et nous allons prendre aussi Apocalypse 21, le verset 1er. And also Revelation chapter 21, verse 1. Amen. Amen. La Bible dit, the Bible says, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. The heavens receded like a scroll being rolled up. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. And every mountain and island was removed from its place. Ce qu'il faut retenir ici, what you need to retain here, c'est le retrait du ciel. Is that the heavens went? Comme un livre. Like a book. Comme un rouleau. That has been rolled up. Donc pour ainsi dire, so it's to say that le ciel est un rouleau. The sky is a book. Qui peut être retiré d'un moment à l'autre. That can be removed anytime. Enfin, Apocalypse 21, le verset 1er. And in Revelation chapter 21, verse 1. Puis je vis un nouveau ciel. Then I saw a new heaven. Et une nouvelle terre. And a new earth. Car le premier ciel. For the first heaven. Et la première terre. And the first earth. Avaient disparu. Had passed away. Et la mer n'était plus. And there was no longer any sea. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. May the Lord God bless the reading of his word. Nous pouvons nous asseoir un moment. May be seated. Je crois que vous sentez bien ce matin. I believe that you feel good this morning. Je vais prier de telle sorte que je sois tellement expéditif. I'm going to make sure that I'll be in expeditive. Pour dire les choses rapidement et clairement. To say things quickly and clearly. Et que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut dire. Comme nous avons dit que nous rentrons dans une phase très très importante. And as we said, we are entering into a very important phase. Et j'aimerais que je puisse avoir votre attention. And I would like to have your attention. Et éviter la distraction. And try not to be distracted. La distraction ne paye pas. Because distraction doesn't give anything good. Vous devez être concentré. You need to be concentrated. Donc ce genre de sujet. So this kind of subject. Ce sont des sujets très capitaux. A very important subject. Et Dieu est tout sauf un simple discours. And God is everything except a simple speech. Il est tout sauf un simple discours. He's everything except a simple speech. Ce sont des sujets très importants. These are very important subjects. Qui peut prendre un individu. That can take an individual. Le transposer dans un nouveau monde. And transpose him into a new world. Dans une nouvelle dimension. In a new dimension. Voilà pourquoi j'attire déjà l'attention de tout un chacun. That's why I'm trying to capture your attention. Alors, nous avons dit que notre thème est la transformation par le renouvellement de la pensée. The transformation by the renewing of our mind. La transformation par le renouvellement de la pensée. The transformation by the renewal of our mind. Dans d'autres traductions, comme Louis Segond, c'est le renouvellement de l'intelligence. It's the renewing of the intelligence. Et d'autres traductions, c'est le renouvellement de votre entendement. Is the renewing of your understanding. Donc que ce soit la pensée, so whether it's your mind, que ce soit l'intelligence, or your intelligence, que ce soit la perception, or perceptions, c'est le même domaine, la même direction, it's le the même same place, concept. The same concept. Mais pour essayer un peu d'être si fluide dans la communication par rapport au niveau de compréhension, nous avons pensé que le mot penser the word mind serait accessible à tout un chacun de nous. Easy for every one of us. Donc, Paul est précis. So Paul is very clear. En nous disant, ne vous conformez pas we should not conform au siècle présent. To the pattern of the world. Donc, évitez le conformisme. So we should avoid conforming ourselves. Je peux dire, si je prends peut-être la position I de Paul, say that if I take the position of Paul, que ne vous conformez pas we should not conform au raisonnement des Congolais. To the reasoning of Congolese. Ne vous conformez pas we should not conform ourselves. Au, au,
au raisonnement de Ponténégrin. Vous êtes avec moi? People from Benoît. Et pour ceux-là qui nous suivent en ligne, and for those who are watching us vous online, pouvez remplacer les X par leurs valeurs. You can replace the donc X ne vous by conformez their pas à votre environnement. So we should not conform ourselves to our environment. Ne chantez pas le même chant don't sing the same song que ceux de votre environnement chantent. Comme le chant du Congo. Like the song of the Congolais, Congo. Tous les jours, il dit la vie est dure au Congo. Life is hard rien ne marche au Congo. Nothing's working in Congo. Il n'y a pas de recrutement. There's no recruitment. Il n'y a pas d'emploi. There's no jobs. Comment on va s'en sortir? How are we going to do? Alors, j'aimerais revenir. Ne And vous like conformez pas do not conform yourself au siècle présent. The ne of the vous world. Conformez pas do not conform yourself au discours. To the speech. Que le monde vous a mis à votre disposition. Put into your disposition. Ces discours-là ne vous that aideront jamais du tout. Mais Saint Paul dit que mais Paul says that qui that introduit une pensée contraire. He brings another thought. Soyez transformés should be transformed par le renouvellement de votre intelligence. Of our intelligence. Le renouvellement de votre entendement, the renewing of our intelligence, le renouvellement de votre the pensée. Renewing of our understanding. Oh, deux Corinthiens, chapitre 4, le verset 4. Chapter 4, verse 4. Il dit ceci, he says that, que si notre évangile est voilé, if our gospel is seen, il est voilé pour ceux qui périssent. Is a veil for those who are sinning. Ce dont le Dieu de ce siècle mauvais, what the God of this a aveuglé l'intelligence. Has blinded the intelligence. Voyez-vous que la perdition, so you see the prediction, va de pair avec l'aveuglement de l'intelligence. It goes also with the blinding of intelligence. Mais la vie nous amène dans la dimension du renouvellement. Alors, on ne sait pas combien de temps ce sujet va prendre. We don't know how much time this subject is going to take. Mais ce sont des sujets. But these are subjects. Très capital. That are very important. C'est un sujet vital. It's a vital subject. Donc même moi-même, je ne sais pas so quand est-ce qu'on va finir. I don't even know when we're gonna finish ça it. Peut prendre deux mois, it can take 2 months, trois, six, three, six, une année, one year, deux ans, trois years, ans. Pourquoi je dis cela? Why do I say that? Frère Branham m'a dit Brother Branham says that que cet âge-ci this age est un âge de névrosie. It's an age of névrosie. OK. C'est, l'âge dans lequel nous sommes est un âge de névrosé. Et il a parlé de la prolifération de la névrose. Alors, si cet âge est influencé par la névrose, ce qui revient à dire sauver des hommes de cet âge, il faut poser le diagnostic. Et pour traiter l'âme. Parce que la névrose, ce sont des maladies de l'âme. D'où il faut développer la science de l'âme. Ou la psychologie des masses. Parce qu'on est en face des névrosés. Des malades en fait. Vraiment, on dit parfois des névroses instruites. C'est-à-dire, vous voyez que c'est un névrosé, mais il est en veste, il a son sac, il va au boulot. Amen. C'est la raison pour laquelle cette partie de l'être humain, le cerveau, doit être étudié. Needs to be studied. Parce que l'homme est tel sans les pensées qu'il a. A man is what he's thinking. Et la dimension des pensées the dimension of his of thinking est une dimension très, très élevée. It's a very, very high dimension. D'où le dimanche, nous avons posé la base that's why on Sunday we pose the base en posant un diagnostic. By putting a diagnostic. Et là, nous avons compris que here we've understood that nous sommes tellement remplis des aspirines, we are full of aspirins, des nivacines, of nivacines, des paracétamols. Paracétamols. Or, but un médecin pour se débarrasser de son patient, a doctor to get rid of his patient, il va lui donner des cures de paracétamol, paracétamols, des aspirines, aspirins, pour calmer
just to calm provisoirement sa douleur. La situation présente ne peut pas être traitée par des doses d'aspirine. Il nous faut premièrement poser le diagnostic. Et quand on pose un diagnostic, c'est que tu passes par plusieurs examens pour chercher à savoir où est réellement la maladie. Et nous avons posé le diagnostic et nous avons compris que le problème est au niveau du cerveau. In our brains. Le problème est au niveau de la pensée. It's in our mind. Il faut traiter la pensée. We need to treat our mind. Remarquez déjà l'erreur que nous avions faite. C'est qu'au lieu d'amener la transformation de la pensée par son renouvellement, nous nous sommes acharnés sur la transformation du vêtir, de la forme extérieure. Vous voyez déjà, nous avons dérouté. C'est-à-dire, on a passé près de 50 ans à donner l'image que être frère en Christ, c'est de s'habiller de telle manière. Et on appelle même la forme des sœurs du message. C'est de s'habiller de telle manière. Alors, qu'est-ce que changer d'habillement? C'est quelque chose qui peut se faire par un clin d'œil. Que quelqu'un peut décider, alors je change mon accoutrement. En un clin d'œil. Et le dimanche prochain, vous allez l'attribuer toutes les formes de shalom, d'appartenance. Parce que c'est ce qui est posé comme paradigme dans votre esprit, que l'acceptation, que c'est un frère, que c'est une sœur, c'est parce qu'il a telle forme. Alors, ce qui est à l'intérieur ici, what's inside here? Ça ne préoccupe personne. It does not hurt anyone. Il suffit seulement que l'extérieur paraisse beau. All they need to see is that on adopte cela. Then we'll adopt Paul that. N'a pas dit d'être But transformé transform de par notre extérieur. Outside. Il a dit que la transformation se fait par le renouvellement des pensées, of our mind. Par le renouvellement des intelligences. Of our intelligence. Parce que Satan, Satan, le dieu de ce siècle mauvais, time, pour réussir son coup, ce qu'il le fait, c'est d'aveugler votre intelligence. Quand il touche votre perception, your perception vous êtes foutu. Then you're done. Voilà pourquoi nous parlons là, que la création des nouveaux cieux et la création des nouveaux cieux passe par le changement des paradigmes. Ce sont des mots, apparemment pour certains, ce sont des mots nouvelles, mais ce sont des mots de vie. But they are words of life, et qui vont vous aider? Which are going to help Apocalypse you. 6 ici, here in Revelation 7, nous 6, avons vu we've seen that que lors de l'ouverture du sixième that sceau, while they were opening the sixth seal, lors de l'ouverture du sixième sceau, while they were opening the sixth seal, parmi les éléments qui arrivent, among the elements that are coming, c'est qu'il y a un retrait is that there was they were removing du ciel. Of the heavens. Je commence au verset 12. I'd like to start at, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. I watched as he opened the sixth seal. Il y eut un tremblement de terre, un there grand tremblement de earthquake. Terre. Le soleil devint noir, the sun turned black, comme un sac de crin. Like sackcloth. La lune entière devint comme made du sang. The whole et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, sky, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette les figues vertes. Donc, voyez-vous que ce sceau, le dernier, le sixième, est un sceau d'obscurcissement du soleil. Of the sun. C'est un sceau qui perturbe that, les vertus même de la lune. The virtues of the moon. Mais c'est dans ce sceau ici où on But voit la chute des étoiles. Where we see the stars are falling. Et les étoiles, comme vous le savez, and the stars, as you know, c'est des fils. Our sons. Ce sont des messagers.
Ce sont des prédicateurs. Pastors, ce sont des sœurs en Christ. Sisters in ce sont Christ, des frères en Christ. And brothers in Christ. Donc sous ce souci, so il y a probabilité seal, que les chutes des étoiles falling of stars deviennent une réalité. May become a reality. Ça veut dire qu'il y a comme un secousse qui va so se faire. It's almost like a little earthquake that's going to et les fils. And the sons. Même la parole de Dieu even the word of God subira une dénature en fait. Oh, je n'aimerais pas être dans ce souci but I would not like to be parce que ce n'est pas un bon saut pour because moi. It's not a good seal for et me. La conclusion, and the conclusion c'est que même le ciel is that even the heavens est retiré is receded comme un rouleau. As a scroll. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. And all the mountains and islands were removed from les rois de la terre, the kings les, grands, the, les grands, les chefs militaires, les riches, generals, les puissants, the rich, the mighty, tous les esclaves et les hommes libres free, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc voyez-vous que c'est un sceau qui vient aussi révéler la nature du mal. C'est un sceau qui amène les gens qui ont mal vécu à former des religions, à chercher à se cacher sous des rochers. Mais qu'est-ce qu'ils fuient? Ils fuient la colère de l'agneau. Mais retenez avec moi ici, parce que nous revenons dans notre sujet, c'est le verset 14. C'est le retrait du ciel. Et le retrait du ciel est caractérisé par le mot ou l'expression un livre que l'on roule. Et nous comprenons que le ciel qui est sur le sixième sceau est un rouleau. Et ce rouleau est un livre. Et ce n'est pas un livre vierge. And it's not an empty book. Et tout ce que vous voyez par la suite and everything you'll see after that est le résultat is the result de tout ce qui est écrit dans ce rouleau. That's written in that scroll. Frère Branham, dans le 7e sceau, il dit says in the six, que seal, le 7e sceau, au paragraphe 231, que c'est la fin. 231. C'est la fin it's the end, de ce monde it's the end of this world qui se débat. That is going down. C'est la fin it's the end de la nature, of the nature qui se débat. That is debating. C'est la fin de tout. It's the end of everything. Donc voyez-vous que so les débats, the debates, les guerres the wars de la terre, of the earth, c'est ce que vous voyez is what you're seeing dans le sixième sceau. In the sixth seal. C'est là où il y a des malheurs. That's where there's bad stuff. C'est là où il y a des guerres. That's where there's wars. C'est là où il y a des tumultes. That's where there's tumults. C'est là où les montagnes sont remuées. That's where mountains are shaking. Mais chose étonnante, but shockingly, c'est qu'à la fin, is that at the end, ce ciel-là that heaven est retiré. Is receded. Et dans Apocalypse 21, and in Revelation 21, nous avons vu que we've seen that quand le premier ciel est retiré, once the first, seal was que removed, fait Dieu? What does God do? Il dit, puis je vis then I saw un nouveau ciel a new heaven, et une nouvelle terre, and a new earth, car le premier ciel the first heaven, et la première terre the first earth avaient disparu. Had passed away. Amen. Amen. Donc, il y a une disparition so there's a there's d'une a vieille civilisation. Of an old civilization. Il y a une disparition. There's a disappearing. Amen. Amen. Des anciennes pensées. Of all the thinking. Que dit Frère Branham au niveau du ciel? What does Brother Branham say about dans la demeure future? In the new home. Au paragraphe 66, in the paragraph 66, Frère Branham commente cela. Brother Branham comments on that. C'est seulement les atmosphères qui l'entourent. It's only atmospheres that surround it. Et le péché qui est sur terre qui vont être détruits. And the sins that are on the earth that are going to be voyez? Destroyed. You see? Maintenant, nous comprenons now we understand that que les cieux, that the heavens, ça veut dire means les atmosphères d'en haut. Atmospheres from up. Les cieux, heavens, ce sont des atmosphères d'en haut. Atmospheres from the top. Ce qui est mentionné dans le sixième sceau, so what's mentioned in the sixth c'est qu'il y avait des atmosphères, is that there were atmospheres, des atmosphères, atmospheres qui contrôlaient la terre. That were controlling the earth. Ce sont ces atmosphères, and it's those atmosphères qui firent que les rois that de la terre that the kings of the earth puissent gouverner avec méchanceté. They govern with meanness.
C'est sans ces atmosphères qui firent que that made that un homme marié a married man trompe simplement sa femme cheat on his wife sans sentir une condamnation. Without feeling any condemnation. Quelqu'un peut dire amen à cela. Can say amen to that? Ce sont ces atmosphères those atmospheres qui firent que that made that une femme mariée a married woman est allée faire un enfant dehors can go and have a child outside et il le colle à son mari and say that it's for his husband sans pourtant sentir la condamnation. Without any feeling anything in that. Qu'est-ce que c'est? What was it? Ce sont les atmosphères those d'en haut. Atmospheres from up, ce sont from des top. Atmosphères lugubres. There are atmospheres from ce sont les atmosphères de guerre. There are atmospheres of war. Ce sont les atmosphères du premier ciel. Atmospheres of the first heaven, qui est un ciel de jugement. Which is a heaven of judgment. Un ciel néfaste. In Ephesus, the identique heaven, au ciel d'avant le déluge. That looks like the one of before the destruction. Un ciel où il y a des guerres. A heaven where there's des war, débats religieux. Religious debates. Un ciel des indiscrétions. A heaven where there's a lot of discretion. Et retenez que les yep. cieux. We should retain that the heavens. Ce sont des atmosphères. Atmospheres. Et derrière chaque atmosphère. And behind every atmosphere. Il y a un esprit. There's a spirit. Il y a une atmosphère. There's an atmosphere. Dans le milieu du ballon. In the place of et derrière, il y a un esprit. And behind it is a spirit. Il y a une atmosphère. There's an atmosphere. Là où les gens prennent la drogue. Where people are taking drugs. Il y a un esprit qui contrôle. There's a spirit that controls. Derrière behind l'atmosphère. An atmosphere. Il y a un esprit qui régisse cette atmosphère-là. Amen. 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 Donc, ce ciel, so this heaven, c'est ce ciel d'indiscrétion. It's a heaven of discretion. C'est dans ce ciel it's in this heaven, où vous trouvez des pensées du genre, where we find the think, thoughts like, des atmosphères du genre. Like atmospheres like, c'est moi qui ai construit l'église. It's me who built the church. Je suis le soutien principal de l'église. I'm the one who helps the church the most. Bon, j'arrête de soutenir l'église et le pasteur. I'll stop on va voir helping comment the ça church va and the and the pastor and we'll see how it's going to move on. C'est comme ça que résonnent les rois de la terre. That's how the kings of the voilà earth ils peuvent reason. Pas subsister. That's why they cannot subsist. Devant la colère de l'agneau. In front of the wrath of the ils peuvent pas se tenir the devant la présence de l'agneau. They can't stand in front of the presence of the parce lamb. Que leurs œuvres sera mise à nu. Because all they've done are going to be checked. D'où à cause de cela. That's why because of à that. À cause de ce genre d'attitude. Because of this kind of attitude. Une création de nouveaux cieux s'impose. The new heavens are going to be created. Et le nouveau ciel and the new heaven vient à nous is going to come to us, pas sous le sixième sceau, not under the sixth mais seal, sous le septième sceau. But under the seventh seal, parce que le septième sceau, because the seventh seal, il n'y a pas le bruit. There's no noise. Le septième sceau, the seventh seal, c'est un sceau qui nous impose le silence. Silence. Dans ce silence, in that silence, c'est là où, quand la main gauche a fait, that's where the left hand has done, la main droite n'est même pas the right hand should not au courant. No. Quelqu'un avec moi? Is someone with me? C'est silence. That's silence. C'est la vision que Frère Branham a connectée avec l'ouverture du septième it's the vision that Brother Branham sticks with the seventh. La vision de la tente. The vision of the tent. Là où tu y rentres. Where you get in. Ce qui se passe dans what ce happens milieu. In that place. Tu es le seul à comprendre. You are the only one who understands. Parce que la révélation, because the revelation, à ce niveau, n'est plus collective. The level is no more collective. Donc quand tu y rentres, même ta femme ne so sait pas once you get in, even your wife ce que know tu as perçu là-dedans. What you've seen inside there. Il faudrait qu'elle rentre she needs to enter pour qu'elle-même so that herself et comprenne, she may understand tire elle-même and understand by herself des conclusions. And bring up, le Seigneur a été clair là-dessus. The Lord was clear over there. Deux dormiront sur le même lit. That two will be on the same bed. Un sera pris. One will be taken. Et l'autre sera laissé. And the other will be left behind. Quelqu'un dit amen à cela. Someone say amen to that. Donc, c'est le so ciel qui est en harmonie ici. Which is in harmony here. C'est le bon ciel. It's a good heaven. Voilà pourquoi dans ce bon that's ciel, why in this good heaven, c'est là où Dieu that's where God nous amène brings us à une transformation, to a transformation. Et cette transformation, that transformation commence par le renouvellement starts de l'intelligence. By the renewing of the intelligence. Alors, so, comme nous l'avons dit que le ciel as we've said that the heaven, ce sont des atmosphères atmospheres,
les atmosphères d'en haut. The atmospheres from up. Et lorsqu'il est question des atmosphères, and once it's, we're speaking of atmosphere, il s'agit de notre mindset. It's about our mindset. Il s'agit là de nos pensées. And of our think, of thoughts. Alors, quand il s'agit de penser, and since it's single, it's about thinking, ça nécessite un traitement adéquat. It needs an adequate treatment. Ne blaguez pas avec le cerveau. We should not, play with our minds. Parce que votre devenir, because our future, dépend de la manière dont vous gérez vos pensées. Depends on the way of, on your way of managing your mind. Je prends une autre citation ici. I'll take another quotation. Dans la parole parlée est la semence in the originelle. Words, in the spoken word of the original seed. Le paragraphe 186. Suivez. Follow. Abraham dit. Says, la pensée. The mind. Est la matrice de l'esprit. Is the matrix of the spirit. Dans la traduction de la voix de Dieu, il est dit la pensée est le sein de l'esprit. The mind is the place of the spirit. Mais j'aime la manière dont Lausanne, c'est-à-dire like the way Lausanne. Frank avait traduit so que Frank said that la pensée the mind est la matrice de l'esprit. Is the matrix of the spirit. Pourquoi? Why? Pour recevoir ou pour bien refuter. Or to throw away. La pensée. Your mind. Quand on dit matrice. When you speak of a matrice. Les femmes comprennent qui boutoule. A woman will understand it better. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que l'esprit. It means that the spirit devient le germe. Becomes the gene. L'esprit. The spirit devient. Becomes. Okay. Okay. La sémence. The seed. Et les semences and the seed germent it comes, it dans l'homme, in a man, dans sa matrice. In his matrix. Et la matrice, and the matrix est la pensée. Is the mind. Et c'est dans la pensée and it's in your mind, vous pouvez réfuter where you can refuse, ou accepter. Or accept. C'est comme ça qu'ils commettent adultère. They commit adultery. C'est en recevant, it's by receiving, en laissant un esprit démoniaque de Satan by leaving a introduire en eux quelque chose qui est contraire à la parole, something in them that's alors going against the word. Then from there, elle aura commis un adultère. They commit adultery. Donc, il parle ici en fait de, so here he's speaking of, de Ève, of Eve. Comment Ève est rentrée how she dans la séduction. Into seduction. Donc le péché de Ève, so the sin of Eve n'était pas premièrement l'acte, was not first the mais act. C'est le fait d'avoir ouvert sa matrice, that she opened her matrice pour écouter to listen et accepter and accept la sémence the seed que that le diable the devil avait introduit introduced dans l'homme. In ou men, dans Ève. Or in Eve. Alors, so, ce que vous voyez ici, what you see here, si on va sur le principe, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, vous ne comprendrez pas you won't understand comment faut-il faire how you should do pour accéder to accede au changement to the changing et à la transformation. And to transformation. Donc là, on rentre dans la dimension so de here l'esprit. We are entering to the dimension of the spirit. La destinée, le devenir, the destiny, or the dépend of de la maîtrise que nous avons the way of de cet appareil que l'on voit. This object that we see. L'esprit est composé de trois parties. The spirit is composed of three parts, qui sont le fondement de notre manière de penser. Which are the fundamentals of our way of thinking. De nous conduire. To bring to de créer et de prendre des décisions. To create and to take decisions. Consciemment. Consciously. Ou subconsciemment. Or subconsciously. Et ces trois parties. And those three parts. Bon, ici on peut pas écrire. Prochainement, on va énumérer yeah, cela. Write, but next time premièrement, il y a la conscience. Firstly, we have our conscience. Et dans notre conscience. And in our conscience. Effectivement, il y a les portes. There's doors. Qui révèle ou qui nous met en action pour la conscience. Tel que nous sommes ici, nous sommes conscients que vous êtes là. Parce que par la perception visuelle, je suis conscient que ça c'est frère André, je suis conscient que ça c'est frère Balzac, je suis conscient que ça c'est la sœur Ornella. Donc voyez-vous que c'est la première partie
de l'esprit of our spirit, qui est la conscience. Which is our conscience. Et la deuxième partie, the second part, en bas de la conscience, under this, conscience, il y a le subconscient. Is our subconscience. Donc il y a un subconscient. So we have our subconscient. Et je vais expliquer cela. And I'd like to explain et la that. Troisième partie, and the third part, et le supraconscient. It's the superconscient. Bon, voyez-vous que so pour le supraconscient aussi, je vais expliquer plus tard. Later on. Alors, on commence par la conscience, et je so crois que la conscience, là, tout un chacun de nous connaît de quoi il s'agit. What it is. Et c'est aussi facile de and comprendre. Easy to understand. Bon, so, mais en ce qui concerne la partie qu'on doit traiter ici qui rend malade, sick, yeah? Et dont l'Église n'est pas au courant, c'est la partie subconsciente. Amen. Amen. Parce que le devenir, because the future, les blocus, all the blockers, les retards, all our late, les réussites, all our succeed, tout cela est stocké all those is stocked, dans notre subconscient. In our subconscious. Et l'une des fonctions principales du and subconscient one of the functions of the subconscious est de stocker les données. Is to stock all the information. Et cet enseignement va vous aider à être and des bons pères, this teaching is going to help you to be good fathers, à être des bons mères, good mothers, à entretenir des bonnes relations, des bonnes relations avec autrui. With other people. Amen. Amen. Donc la fonction principale so du subconscient, principal function of the subconscient est le stockage. Is to stock. C'est la partie de votre esprit qui enregistre the part of the spirit that registers et entrepose les souvenirs. Entreposes, memories. Et si on faisait le parallélisme avec l'informatique aujourd'hui, and if we try to check it to on pourrait considérer le subconscient consider our comme notre disque dur. As our, memory card. Tout ce que nous avons vu, everything we've seen, entendu, heard, vécu, lived, ainsi ce que nous avons ressenti vivant, and also what we've felt, en vivant des expériences depuis notre naissance, living experiences since our birth, tout cela est gravé dans le subconscient, all that is kept in our subconscious, qui est which is une banque de souvenirs. A bank of memories. Tout everything est stocké is stocked dans la chambre intérieure. In the inside room. Ce que nous avions oublié what we've forgotten peut être retrouvé can be found aujourd'hui par des techniques today by techniques de psychanalyse by of au travers des substances chimiques by, chemical ou par l'hypnose. Or by hypnosis. Pourquoi? Why? Parce que because il y a des maladies, there's diseases, des comportements tardifs comportements qui ressurgissent that come out dans la vie, in life, dans le parcours terrestre, in the living of on our life, on même earth, si vous avez oublié, even though you've forgotten, mais les ressentis, when you feel it, le vécu, what you've lived, les souvenirs, all our memories, de votre enfance, from your childhood, de votre parcours, from all your life, sachez-le que you should know that ça ne s'est pas volatilisé. It didn't run away. Cela a été stocké, all that has been stocked, dans la mémoire intérieure, inside your memory, que l'on appelle le subconscient. Which is called your subconscious. Tu auras beau oublier, you can forget, mais viendra un temps, there is going to come a time, il y aura certainement un choc identique going to have a identical qui va shock réveiller that's going to bring tout le mal all the bad qui a été stocké, has been stocked, et c'est là qui amène la personne person à des comportements dont vous ne savez pas. Tout cela vient. C'est la raison pour laquelle les blocs comprenant cela, ils ont interdit de traumatiser les enfants. Amen. Amen. Parce que la mauvaise éducation, c'est ça. That's bad education. Dès que l'enfant veut, pas, pas, on n'éduque pas un enfant, vous le rendez, tu tues. You just held, making him stubborn. Voilà quoi, quand Billy Paul avait fauté, that's why when Billy Paul made a mistake, Frère Branham lui posait la question, when asking the question, je prends la chicotte, should I hit you? Ou bien je or te parle. Should I speak to you? Quel était le choix de Billy Paul? What was the choice of Billy Paul? Il dit, papa, prends la chicotte. He said, father, just hit me. Et Billy Paul dit que parce que and Billy Paul said, les paroles de papa the words of my father étaient plus tranchantes que la chicotte. Were hurting more than his belt. Alléluia. Alléluia. Donc, les dires, so when you say something, les mots, words,
sont puissants. Are very powerful. Les injonctions. Your injunctions. Sont puissants. Are very powerful. Les mots que l'on dit à un enfant. What you say to a child. C'est une sorte de programmation. It's a sort of programmation. Il faut que j'explique. I need to explain. You. Just like your father, you. C'est une programmation. A programmation où l'enfant sait. Where the child knows. Que mon papa. That my father. N'a pas l'argent. Does not have money. Et n'aura pas l'argent. Will never have money. Et du coup la personne. Depuis l'enfance accepte. The person, since his que il grandira. Sur un chemin. Going to grow up où il n'y aura pas l'argent. Where there's no money. Et donc, so, tout ce que vous dites à l'enfant, everything you say to a child, vous êtes en train de former un paradigme. Busy forming a paradigm. C'est la raison pour laquelle ce matin, it's the reason why this morning, vous allez comprendre que you can, you'll understand on peut s'agenouiller ici we can kneel down pour here demander la richesse. To ask of riches. Plusieurs d'entre nous, ça n'arrivera pas us, not going parce to que le problème us, n'est pas au niveau des jeunes ni aux prières. Le problème est au niveau des banques de données qui ont été stockées dans la partie inférieure, la partie cachée, qui est notre subconscient. Donc aussi longtemps qu'on ne change pas ce qui est à l'intérieur, en train d'agiter ce qui est à l'extérieur, tout ce que l'on fait, c'est nul et non avenu. Voilà pourquoi Paul a dit, en fait, la transformation passe par le renouvellement de nos pensées. Et Frère Branham nous a dit que la pensée est même la matrice de l'esprit. Donc il faut traiter le problème depuis l'intérieur là-bas. Nous nous avons dit que pour créer les nouveaux cieux, il faut juste changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, il faudrait que nous puissions analyser qu'est-ce qui a été logé dans notre subconscient, qu'est-ce qui a été enregistré dans notre disque dur. Parce que les informations qui s'y trouvent vont nous poursuivre tout le reste de notre vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Is someone with me? Est-ce que je peux avancer? May I move on? Vous comprenez le problème des chrétiens? You understand the problem of Christians. Amen. Amen. Voilà pourquoi ne bladez pas avec ce qui se fait. We should not mess up with what's happening. Donc quelqu'un ne peut pas venir. Someone cannot come. Écouter une telle prédication avec des mauvaises attitudes. With bad habitudes. S'il te plaît, ça ne t'aidera pas. Please, it's not going to help you. Parce que il faut que because we need that vous compreniez to understand que pour comprendre ce que je dis, we need to understand that to understand what vous I'm devez saying, vous ajuster you just have to adjust yourself dans la même fréquence in the same que je suis. Frequency in which I am. Et si vous n'êtes pas dans la même fréquence, if you're not in the same frequency, il sera difficile. Then it's going to be hard. Vous allez penser que c'est un discours. You're going to think there is a speech. Mais ce n'est pas un discours. But it's not a speech. C'est une thérapie. It's a therapy. C'est une thérapie. It's a c'est-à-dire therapy. Vous êtes en pleine chirurgie. On est en train out de vous soigner. We are busy cleaning you, healing you. Parce que pour apporter un tel message, pour que cela puisse message, avoir de l'impact, impact, dans les vies des gens, in the people's lives, il faut au préalable se préparer. We firstly need to prepare ourselves. Regarde, watch. Il m'a fallu aller dans la jungle. I needed to go to the jungle. Prendre le temps de retraite de prière. To take the time to pray. Au moins 4 jours à sec, sans manger, sans boire. I like passed like 4 days without eating or drinking. Pour que une âme puisse comprendre ce que je dis. So that a soul may understand what I think. Parce que les pensées sont des forteresses. Because the minds are like places where
everything happens. Parce que ce sont ces pensées qui déterminent les caractères des gens. Those are the mind, it's minds that determines the characters of people. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi je parle de forteresses. And you'll soon understand why I'm speaking of fortresses. Donc, de peur que ce soit un simple discours, il faut d'abord briser cela. A speech, I first need to destroy it. Au niveau spirituel. Spiritually, on the spiritual level. Amen. 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 Et tout ce temps que je prends dans la prière. And all this time I spend in prayer. Pour venir vous parler pendant une heure. To come and speak to you for an hour. Mais il y a quelqu'un qui arrive ici. But there's someone who's coming here. Et pendant 45 minutes, il dort pendant ce que moi je prie. And during 45 minutes he speak, he's sleeping while vous I'm voyez, speaking. Cette personne-là est envoûtée. You see, that person has demons. Cette personne est en prison. That guy is in prison. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas because dans cette personne. Because there's something that's not working in him. Puisque devant because la télé, in front of the TV, il dort parfois tard. He even sleeps late. Il ne dort pas. He doesn't sleep. Mais comment se fait-il? But how ça, c'est vital. This is a vital mais dès subject, que je commence à parler, as soon as I start speaking, toi, tu dors. You start sleeping. Dis-moi, frère, dis-moi, tell soeur, me brother, tell me qui sister, te fait dormir? Who makes you sleep? Pourquoi tu viens dormir? Why do you come and sleep? Au moment où je at veux prêcher la to parole pour toi. The word for you. Alors, so, ça veut dire que tu es venu et tu ne t'es pas préparé. You came, but you did not prepare yourself. Donc, so, si tu n'es pas dans la même fréquence, if you're not in the same frequency, tu auras des raisonnements du genre, mais je ne comprends absolument rien. Like I don't understand pourquoi anything? Ça n'a pas d'effet sur why moi? Does it have any effect on me? Ça n'aura pas d'effet it sur toi, mon frère, ma soeur. My brother, my sister. C'est un problème de fréquence. It's because it's a problem with your frequency. Si tu n'es pas connecté, if you're not connected, tu n'es pas abonné sur la chaîne étendard du midi, you're not, subscribed on the tu vas crier, non, mais je ne vois pas le direct, le direct. I won't see the, you mais c'est facile, I won't see the direct, il faut t'abonner. You need to just subscribe yourself. Et ça va te canaliser sur la fréquence. It's going to canalize you on the frequency. Et dès que le direct commence, and as soon as the direct starts, et que tu avais activé la note de notification, you've activated the notification, ça va sonner clac. Then it's going to clack. Et tu es au courant and then you know que le Dr. King est monté en chair. Dr. King is now on the pourquoi stage. Parce que tu es dans la why? Même fréquence. Because you're in the same frequency. Mais si tu es dans une autre but fréquence, in another frequency, même si le feu de Dieu tombe ici, tu ne verras absolument rien parce que ce n'est pas des choses charnelles. Parce que ça se passe dans une dimension plus élevée. Pourquoi Noé, why did Noah, ce prédicateur de justice, justice, n'a pas pu gagner une âme en dehors de sa maison? Il n'y a que lui et sa famille qui a only été sauvés. And his were saved. Parce que sa génération n'était pas câblée was not sur la même fréquence que Noé. Est-ce que je peux avancer? Can I move on? Mais comment les animaux ont répondu à l'appel de Noé? Could answer the call of Noah. Même la tortue, even the tortoise, est rentrée. Came in. Même le serpent, even the snake, est rentré. Went in. Même le lion, even the lion, est rentré. Went in. Mais les hommes créés à l'image de Dieu, ils ne sont pas rentrés did not enter parce qu'ils n'étaient pas câblés sur la même fréquence on the same frequency que Noé. As Noah. Pourquoi? Parce que nous, on why? A une because image, they had an image de la manière que Dieu va nous parler. Or, la Bible dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, in one way, tantôt d'une autre. In another way. Un prophète, a prophet, appelé Balaam, called Balaam, à cause des intérêts, because of his self-good, lui qui avait la sensibilité auparavant, who had his sensibility in the beginning, d'être en contact avec des entités supérieures. To speak with the superior. Mais lorsqu'on l'a fait des promesses d'argent, as soon as they promised him money, ça aveuglait son intelligence. It blinded his intelligence. Il a voulu traverser là où se tenait l'ange de Dieu. He wanted to pass where the angel of God was. L'âne qu'il a toujours conduit s'est arrêté. Stopped. Et qu'est-ce qu'il fait? And what did he do? Il commence à taper l'âne. He hit the donkey. Chers amis, dear friends, lorsque vous n'êtes pas connectés, once you are not connected sur la fréquence with the, on the frequency sacrée this, of God, lorsque vous ne pouvez pas sentir la vibration de l'heure, you can't feel the vibration quand of vous the ne maîtrisez pas la dimension des when énergies, you don't know the dimension of the energies. Même quand Dieu vous arrête, even when God's gonna stop you, vous allez continuer. You're going to continue. Même quand Dieu vous interpelle, even when God's gonna call you. Pourquoi? Why?
Parce que vous êtes tombé plus bas que les animaux. As animals. Donc ces choses-ci, so these things, vous ne pouvez pas les comprendre you cannot understand them si vous n'entrez pas dans la fréquence. If you don't enter into the frequency. Et une femme, un homme a man or a woman qui vit dans les fréquences who basses lives in the low frequencies ne peut pas saisir ces choses. Cannot capture these things. Un des fréquences basses, the lower frequencies, c'est ce divertissement is just playing around dans le sixième. In the sixth year. Dans le ciel des conflits. In the heavens of conflicts. Religieux. Religious conflicts. Dans le ciel des débats doctrinaux. In the heavens of doctrinal debates. Dieu, vous ne le trouverez pas dans vos conflits. You will never find débats God de doctrine. In your vous n'allez jamais le trouver là-dedans. Doctrines. You'll never find him there. Parce que le résultat Because de toutes ces choses, result of all those things, c'est une suite des animosités. They follow light. Alléluia. Alléluia. Ça vous introduit dans un monde clanique des clans. Et vous n'allez pas croiser Dieu dans ces gens. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Le ciel du sixième sceau. C'est un paradigme de rancœur. C'est un paradigme. Comment? Qui vous amène dans des clans. Into clans. En fait, vous faites tout sauf la volonté de Dieu. All you do is you do c'est ce monde against the will of God. Qui vous amène à perdre it's, votre énergie, it's this world that brings us to lose our à chercher à savoir qui fait to, quoi, who's doing what, to check qui who a what, eu quoi. Who had what. Et vous ignorez and you're ignoring que tout est fréquence, that everything, que tout est vibration, and everything is a vibration, et que tout est énergie. And that everything is energy. Le temps que tu passes the time that you're passing à réfléchir by thinking, sur la vie d'un tel, on the life of sur la vie d'un tel, else, tu ignores ignoring combien d'énergie how much tu es en train de perdre alors que tu aurais utilisé you could use that energy cette énergie ailleurs. Somewhere else. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Say amen to that. Dieu parle tantôt God speaks d'une manière in one way, ou tantôt d'une autre. Or in another. La famille de Noé était la seule. The family of Noah was the only one. Avoir rentré. That went in. Des milliers d'hommes sur terre. Millions of men were on earth. Noé parlait leur langue. Noah was speaking their language. Ils écoutaient. They were listening. Mais ils ne comprenaient pas. But they were not understanding. Pose-toi la question, comment les Now animaux ask me sont the, ask me the question, how did the quel animals est le enter? Langage que les animaux Which language did the ont animals entendu hear? Pour que même la so tortue qui marche lentement puisse trouver can find himself, sa place, can find a place parmi les réfugiés. Among the refugees. Parce qu'ils avaient compris la vibration Because de la voix de Dieu. The vibration of the voice et Frère Branham dit que and Brother Branham says that, qu'est-ce que la voix? What is the voice? C'est un signe spirituel. It's a, il dit ça dans le sixième saut. He says in the sixth que les brebis entendent ma voix et la voix est un signe scripturaire ou spirituel. La voix est une fréquence. So a voice is a frequency. Et pour avoir les informations and de la voix, information from the voice, vous devez vous connecter nécessairement. You need necessarily to connect yourself. Amen. 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 Alors, pour avancer, parce que l'heure est tellement avancée, je n'ai pas beaucoup parlé, je suis tellement fatigué. Je disais que les blocages, all your blockages, les ancrages, they are all stopped. Qui empêchent that stop you. La manifestation de la volonté de Dieu dans nos vies that stop the manifestation of the will of God in our lives dépendent des informations qui ont été stockées dans le subconscient. On the information that has been stocked in the subconscious. Et ces informations stockées dans le subconscient stocked in the subconscious, c'est ce que nous avons rattaché comme étant le premier ciel. Called as the first heaven. Et il n'y a rien de bon dans ce premier ciel. And there's nothing good in that first heaven. Et si ces informations sont négatives, and if those informations are negative, votre vie sera une vie médiocre. Then your life is going to be a life very mediocre. Votre vie sera une vie remplie de négativité. And it's going to be a life full of negativity. Pourquoi? Parce que Why? Le subconscient your subconscious
contrôle 95% de notre comportement has 95% of our habitude et de l'activité cognitive. And of our comment on réfléchit? Way of thinking. Tout ça, c'est à l'intérieur. All that is inside there. Ce matin, nous allons plus insister sur ce qui se passe dans le ciel du sixième sceau. Et je pense que quelqu'un va comprendre le vrai problème. Pourquoi il faut des médecins. We need doctors. Pas juste des... comment vous les appelez là? What do you call them? Des stagiaires. The stages. Qui vont vous donner, non, prendre d'abord la paracétamol. Et dès que tu as pris la paracétamol, l'aspirine, bon, ma migraine a disparu. Mais attends le docteur. Just wait for the doctor. Oh non, ça va, je suis parti. Frère Manam dit que les gens aiment des solutions rapides. Non, on n'a pas besoin des solutions rapides. On a besoin du diagnostic. On a besoin de toute une pile d'examens pour recueillir des informations précises. Pourquoi après 20 ans, après 30 ans, dans la foi, tu n'as pas pu faire le progrès? Où est ton problème? Et nous sommes ici, c'est pour traiter ces véritables questions. Pourquoi les chrétiens semblent être comme des personnes marginalisées? Et pourquoi on a vendu l'image du genre que lorsqu'on croit au Seigneur, on perd tout? Quelqu'un dit alléluia! Les paracétamol. Les doliprane, doliprane ne va pas régler votre problème, ni ce problème-là. Problem. Il faut que le Seigneur suscite des spécialistes, des médecins aguerris, doctors that know their job, avec la technologie appropriée pour poser le diagnostic. Sinon, on va t'attendre, non, mon fils. On fait d'abord ça. On ne va pas partir de tâtonnement. En tâtonnement, ce n'est pas possible. Like this, like et béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Lui, c'est lui-même le grand médecin. He's the great doctor qui vient pour poser le diagnostic. Who comes to pose the diagnostic. Comment se crée un paradigme? Comment se crée un comportement? How does a habit create itself? Ça vient pas comme ça. It does not just come like that. Et ça se crée pas du jour au lendemain. And it doesn't just create itself just like that out of nowhere. Ça prend du temps. It takes time. Et ce paradigme, and that paradigm est le résultat des suggestions négatives. Is the result of negative suggestions qui se sont imprimés au fil des temps. Printed during the time. Par répétition continue, just when things keep on repeating, les mêmes informations qui ont été dictées that have been given, ne pensez pas que ça part. Don't think that it just goes. Ça se stocke. It stocks itself. Dans sous forme de logiciel, ok? As a logiciel. Comme dans un disque dur. Like in a memory card. Et les informations qui sont stockées and the information that is stocked contrôlent notre comportement, controls our habitudes, comportent nos habitudes and all our way of acting, et influencera notre destinée. And influences our destiny. Et ce paradigme se crée sur deux volets ici. It creates itself on two ways. Et le premier volet, c'est le volet génétique. Genetical one. Il y a un pasteur qui nous disait, le pasteur, comment s'appelait l'évangéliste, un évangéliste, qui parlait que l'homme est un être biosocial. Donc, le premier volet est un volet génétique. So the first one is a genetical one. Chacun de nous each and every one of us est un confluent, is a confluent, est un bassin génétique où sont déversés plusieurs générations. Many generations are dropped inside. Frère Manam, il dit que mon arbre généalogique n'est pas bon. My family, my thing is not clean. Tu es ton père.
You are your father. Tu es ton arrière-grand-père. You are your great-grandfather. Tu es ta mère. You are your mother. Tu es ton arrière-grand-mère. And you are your great-grandmother. Si tu ne fais pas attention, if you do not pay, tu reproduiras dans ton comportement le comportement de ta mère. The one of your mother. Si tu ne fais pas attention, if you are not careful, dans tes attitudes, in your attitude, dans ton comportement, in your habitudes, tu reproduiras you're going to reproduce l'héritage de ton père. The mistakes of your sans father. Que tu n'aies fourni des efforts. Without doing any effort, il y a une loi génétique. Parce que tel que tu es là, tu as en toi des informations génétiques qui ont été transférées de génération après génération. La Bible dit que Abraham payait la dîme à Melchisedec et au moment où il payait la dîme, Lévi était dans les gènes d'Abraham. Donc, dans une dimension plus élevée, Lévi assistait à tout ce qui se faisait. Et plus tard, à la quatrième génération, Lévi est devenu sacrificateur. Il n'est pas devenu sacrificateur par chance, par coïncidence. Il est devenu sacrificateur parce que c'est génétique. In his blood. Donc, si l'arrière-grand-père so if his avait fait des choses néfastes, done bad stuff, sachez-le que dans cette lignée, you know in his life, quelqu'un va les reproduire. Que tu sois chrétien ou pas, ça va not, te poursuivre parce que c'est un paradigme génétique qui te poursuit. C'est plus fort you. Que toi. It's stronger than you. Voilà pourquoi lorsque l'on parle de la délivrance, when you speak of deliverance, du changement, of changement, du renouvellement, of the renewing, par la transformation, par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée, c'est plus sérieux que vous ne le pensez. Donc, ce n'est pas des choses qu'on vient prêcher avec des agitations, parce que là, il faut que ça rentre sérieusement. Donc, votre génétique vous programme. Programs you. Parce que vous verrez que you'll see that y a quelque chose que tu portes de ta mère physiquement. Il y a quelque chose que tu portes that you have de ton père from your father physiquement. Physically. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas you did not forcé. Force it. Tu ne t'es pas débrouillé you do not mais do any effort, par le génétique. Just by genetic. Amen. Amen. C'est caractéristique. That characteristic, corporel, physiologique, that's a corporal, te contrôle. It just controls you. Amen. Amen. Si dans votre famille, baba, family, mon frère, my brother, que tu en veux ou pas, whether you want it or not, que tu forces ou pas, whether you force or not, à un moment donné, tu peux jeûner ou prier. You can fast and pray, oh, mon frère, but my brother, ça va venir. You're going to be fed. Amen. Amen. Pour certains, for some of them, ils sont comme ça, comme des petits téqués. They are here like little. La taille 16 et tout ça. Même si vous lui pompez la nourriture, comment? Food, il ne va pas grossir. Much, pourquoi? Parce que c'est génétique. It's in his est-ce que quelqu'un comprend cela dans la salle? Does someone understand this in the room? Oh non, toi tu grossis no, pas, moi, non. You know, you don't c'est get génétique. It's in his genes. Amen. Amen. Ça doit parfois. You know, sometimes. Tu vois que. You see that. Tu as un problème avec un frère. You have a problem with your brother. Même si c'est un frère. Even though it's a brother. Après, il va te rappeler. Mon cœur bimbe. After that, he's going to remind you. And then bimbe. Alléluia. Alléluia. C'est génétique. It is God. C'est génétique. Et quand il dit ça, fais attention. Parce qu'il peut prendre le couteau. You can even go and fetch the knife. C'est génétique. It's genetic. Femme Branham dit que mon arbre généalogique n'est pas bon. Il dit, Branham meurt avec les chaussures aux pieds. Ça ne l'a pas empêché de lui faire l'accident et mourir parce que c'est génétique. Because it's genetic. Bon, on ne va pas trop mettre du temps sur la génétique, really on y reviendra. Parce que qu'importe le temps que ça va because nous prendre. No matter how much time it's gonna take, le deuxième volet the second est le volet environnemental. Et c'est ça le problème. And that's where the problem is. Parce qu'une chose est vraie,
Because tu ne peux pas changer les caractéristiques génétiques. Tu ne peux pas dire non, je ne veux plus ressembler à mon père ni à ma mère. Ça va au-delà de tes pensées, ni de ta décision, ni de ton vouloir. C'est génétique. It's genetic. Mais il y a le volet environnemental qui va ensemble avec nos relations, notre religion, et notre formation. And our formation. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi les rois de la terre résistent à l'agneau. Parce que l'agneau est lumière. The lamb is the light. Et eux, ils veulent se cacher. They want to hide themselves. Posez-vous la question. Now ils veulent cacher quoi? What are they trying to hide? Alors, sur l'environnement, in the environment, comme on a dit que toutes les informations sont condensées dans le subconscient, et du point de vue moral, le subconscient est neutre. Il est neutre. He doesn't have any position. Et depuis l'enfance, and since your childhood, la plupart the majority reçoivent des suggestions négatives. Negative suggestions. Et ces suggestions négatives, un enfant ne peut pas les contrecarrer. A child cannot reverse them. Et de façon inconsciente, l'enfant accepte les suggestions, les dires, les mots. All the suggestions, all you say, your words. Et les phrases and the phrases que l'on dit, les mots que l'on dit à l'enfant, you may say to a child, ce sont des mots néfastes qui vont caractériser, qui vont influencer son futur. That are going to influence his future. Les mots du genre tu ne peux pas. Words like you can't. Les mots du genre words like à l'église qu'il est difficile à des riches rich d'entrer dans le royaume de Dieu. Enter into the kingdom of God. Ce que je dis là, what I'm saying, ça n'a rien à voir avec le titre d'être pasteur, évêque. Et si vous n'avez pas ces informations, cette connaissance, those informations or this vous serez des assassins du haut de la chair. You're going to be assassinates. Amen. J'explique, quand un enfant est né, when a child is born, sa foi his faith est illimitée. Is illimited. Un bébé, a baby, il est dans la plénitude de l'exaucement. He is in the plenitude of exaucement. Voilà que tout ce qu'un bébé a fait pour recevoir l'exaucement, c'est demander. It's just to ask. Et sa manière de demander est de crier. Is to, et la maman sait and the mother knows que l'enfant a crié, pleuré, soit il a besoin de téter. Maybe he needs to drink quand l'enfant crie, once maman, de façon mama, instinctive. In such a way, il dit qu'il y a un enfant en masse et il a besoin d'eau. Water, quand l'enfant crie, when the child shouts, c'est qu'il faut peut-être qu'il a chaud. Meaning his baby il faut hot laver l'enfant. L'enfant ne t'a pas dit qu'il a chaud. Mais comment tu as communiqué? Peut-être que tu laves l'enfant. Après, l'enfant dort. And then the child sleeps. L'enfant, dès qu'il crie, il dit non, l'enfant doit être malade quelque part, tout ça. Il faut voir. Voyez-vous que. Et quand l'enfant commence à marcher, voyez, tout ce dont il a besoin, il reçoit. Non, il a besoin de biscuits. À l'âge de la découverte, il veut tout toucher. Parce qu'en lui, il n'y a point de limite. Il sait qu'il peut tout avoir à condition de pleurer. Au début, ça marche. In the beginning, mais après, after, il croise des paradigmes, des personnes déjà détruites qui commencent à le programmer en disant ta, baby manga to touche gwe. Don't touch other people's stuff. Ta, yake angwe. It's not for you. L'enfant commence à développer une conscience que c'est fini. Tu ne peux pas tout avoir, gars. C'est fini le temps de pleurer. C'est fini. On te met devant une conscience que tout n'est pas permis dans ce monde. Et qu'on ne peut pas tout avoir. Et tu rentres avec l'enfant dans le magasin. La première réaction de l'enfant, c'est d'aller voir les voitures. Si c'est une fille de poupée, tout ça. Après, on montre à l'enfant que ce n'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Et les enfants, toi, qu'il y a des enfants qui ont des visions. Il va chercher des grosses motos ou des voitures de 380 000. Il dit, tangala. On montre à l'enfant que ça ne t'appartient pas. Tu n'auras pas ça.
Et l'enfant commence à accepter. Accept. Que ça veut dire? That it means that ça c'est pour nous, c'est pas pour nous. For mais parfois il va ailleurs, but il voit un enfant, il a ça. Et du coup, mais l'enfant est en train d'être détruit. On l'apprend. Mon gars, look, ça c'est pour les autres. This is for others. Toi, you, c'est une petite voiture just comme a small car like et ça. Et ça met pas de tapis. Et moi. C'est et papa, non, papa, je vais partir chez tel. Il ne veut pas partir chez tel. Il a vu quelque chose qu'il ne peut pas avoir chez lui. C'est un paradis. C'est une programmation. Et l'enfant, on l'a pris. Qui peut pas tout avoir. That you cannot have everything. Qui peut pas tout avoir. That he cannot have everything. Que les autres, c'est, ils sont riches. Others are rich. Que pas vous. But not you. Alléluia. Alléluia. On l'assassine déjà. They already killed him. On communique pas. They don't communicate. On peut pas le promettre. They can't promise him. Que un jour on va acheter. That one day we're going to buy. Mais on dit c'est pas pour they, vous they et say, tout. No, it's not for you and all stuff. Et la foi que l'enfant the avait, faith of the child, le vouloir the wanting, du développement, de l'épanouissement of est tué par la maman by the mother, qui ne sait pas who doesn't know qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'enfant. She's doing to the child. Et c'est criard. And it's said. Parlons maintenant de l'église. C'est là que ça devient plus grave. Now let's speak about the church. That's where it becomes more serious. Parce que si déjà, because if already, depuis la base, since the bottom, à la maison, at home, l'enfant était traumatisé, détruit. The child has been traumatized, destroyed. Il va à l'école. He's going to school. La maîtresse lui apprend un certain nombre de choses qu'il assassine. His teacher is going to teach him a lot of things that are going to kill him. Et sa troisième dimension de destruction, c'est l'église. The dimension of destruction is the church. Il vient à l'église. He comes to church. Et l'église, and the church, comme on dit, ce que le Gaza m'a laissé, le gelec, la sauterelle, tout. L'église, the church, qui devait être le centre which was supposed to be the center d'épanouissement, of growing, devient un mouroir. Becomes a place of, c'est là où on tue. That's where they kill. Le reste the rest de ce qui était bon sur what nous, was good in you. C'est à l'église it's a church qu'on va t'apprendre they are going to teach you que that le. Le ciel, the heaven, c'est pas pour les riches. It's not for rich. Et avec quelle émotion? And with which notion? Parce que because, la pensée the mind, your mind, est la matrice de l'esprit. The matrix of the spirit. Et chaque vérité, and every truth, quand c'est libéré avec une émotion profonde, a deep, emotion, ça crée it creates des enracinements. Roots, dans la conscience et dans le subconscient in des individus. C'est à l'église church, que les gens et parmi nous ont appris que Lazare le pauvre rentre au ciel. Donc, le jeune homme riche, le riche va en enfer. Donc, il y a probabilité que les riches aillent en enfer. Et donc, c'est très dangereux pour un fils de Dieu d'accéder à la richesse de peur d'aller en enfer. To get rich because he might go to hell. Amen. Amen. Un pasteur a suivi mes enseignements. Il dit à moi, l'histoire d'être bien là, ce n'est pas mon problème. Moi, je préfère comme le jeune homme, comme Lazare. Mais ce qui m'importe, c'est mon âme. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Bon, un monsieur comme ça doit l'acheter. Il va dire quoi aux adeptes? What is he going to say to those who are listening? Il est en train d'assassiner des vies. The lives. Un frère a dit à un autre frère, a brother said to another brother, mais ce que ton docteur enseigne là, ce n'est pas la parole. Is not the word? Il dit, pourquoi ce n'est pas he la said, parole? Why is it the word? Il dit, non, les fils said, de no, Dieu en majorité the sont pauvres. The son of God in the majority are poor. En majorité, les fils de Dieu sont pauvres. Of them are poor? Il dit, mais effectivement, ils sont pauvres. Effectively, they are poor.
Donc lui, il accepte être pauvre parce que la majorité des fils de Dieu sont pauvres. Mais quand vous les constaterez, tous les fils de Dieu qui sont pauvres, ils ont un élément commun, c'est qu'ils sont ignorants que leur Père, leur Dieu qu'ils invoquent là, a dit « L'or est à moi, l'argent est à moi ». Donc, de tous les demandes qu'ils ont fait à Dieu, il y a deux choses qu'ils ont oublié de ce que Dieu est. C'est que celui qui tient l'or, celui qui tient l'argent. Donc comme ils ne savent pas ça, c'est la raison pour laquelle ils sont ignorants et le peuple meurt parce qu'il leur manque de connaissances. Ils n'ont pas cette information-là. Que le Dieu qu'ils invoquent là, il n'est pas seulement le grand médecin. Quelqu'un dit alléluia. De la même manière que vous dites et que vous citez que c'est par ses meurtres sur que vous avez été guéri, l'apôtre Paul dit du riche que Christ était. Il est devenu pauvre afin que nous fussions enrichis par lui. Donc si la croix a transmis à nous le pouvoir de la guérison, la même croix qui a humilié le Seigneur a transmis à ses enfants le pouvoir de s'enrichir. Donc mon frère, c'est la vérité. Ils sont pauvres parce qu'ils étaient ignorants que la richesse était un attribut de Christ. Voilà qu'il est dit dans Apocalypse 5, quand il a ouvert les seaux, le ciel a dit, l'agneau est digne de recevoir la puissance, la sagesse et la richesse. Donc les seaux qui disent que les seaux sont ouverts, ils ne sont pas au courant que l'agneau s'est approprié la richesse. Donc s'ils sont pauvres, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'ils soient pauvres, mais ils sont ignorants parce que dans leur environnement religieux, les lois de limitation ont été prédominantes et ça créait un ciel lugubre. C'est ce ciel du sixième sceau, c'est ce paradigme néfaste et ces informations-là contrôlent les destinées des gens. C'est ce qui a fait que les gens ont eu des possibilités d'aller étudier aux États-Unis et n'y sont pas partis parce qu'on les a dit que Los Angeles va couler. Quelqu'un peut dire amen. Et aujourd'hui, ils sont surpris que son pasteur et ses enfants, ils ont la carte verte, ils sont des citoyens américains. Et ça crée de la révolte. Mais ça crée de la révolte comment? Tu as été détruit par la formation religieuse. Ces informations sont stockées dans le background, c'est-à-dire ici, à l'intérieur. So inside there. Je peux dire, recevez la bénédiction, okay, so recevez la bénédiction, recevez la bénédiction. Tant qu'on ne change pas, on ne détruit pas ce programme néfaste qui contrôle ta vie, ce que je dis, je peux gêner 21 jours comme tu as été programmé. Ainsi, rien ne se fera. Dès que tu sors là, tu replonges à l'intérieur parce que le programme est là. C'est la raison pour laquelle trouver un bon pasteur, c'est une grâce. When you find a good pastor, it's a grace. Et ce que je vous dis, and what I'm telling you, c'est la porte de sortie. It's the door to exit. Et si tu te connectes sur cette fréquence, and if you connect yourself on this frequency, tu comprendras pourquoi le Seigneur a dit, why the Lord said, tu connaîtras la vérité, you will know the truth, et la vérité t'affranchira. Alors tu comprends que tu n'as même pas besoin de mes impositions de main. Écoute ça.
Just listen to this. Réécoute ça. Listen to it again. Encore. Again. Et encore. Again. Encore. Again. Et encore. Again. Parce que pour détruire le système qui te contrôle, ce système-là a été créé par des répétitions continues. Et les informations que tu as reçues, ils sont fausses. Amen. Et la seule façon pour détruire ça, il faut des informations contraires. Des informations différentes. Quelqu'un dit Alléluia. Donc, si dans une machine, vous avez un logiciel, un programme, vous ajoutez d'autres programmes, ça va ramer. Qu'est-ce qu'il faut faire? What you need to do? Il faut vider le programme. You need to empty the program. Il faut le broyer. You need to destroy it. Amen. Amen. Le désinstaller. To, uninstall it. Et la seule façon de détruire and the only way to destroy les limitations the limitations qui ont été ensemencées that have been planted dans votre esprit, in your spirit, il faut trouver you need to find des bonnes informations. Good information. Et cet enseignement, and this teaching, ce sont des bonnes informations. Good information. Oh, le malheur, c'est que les gens, the bad stuff is dès qu'ils sortent, as soon as they exit, ils mettent les mégas dans leur téléphone. They put, on ne sait ce qu'ils suivent. Ils suivent des histoires inutiles sur TikTok, on TikTok. Des histoires qui n'ont rien à voir avec l'édification de leur âme. Of their soul. Alors que nous sommes ici en thérapie. In a therapy. Télécharge la prédication. Écoute cela comme de la musique. And listen to it as if it's music. Une fois, nous étions avec frère. Une sœur nous a appelé et nous a dit and told us, ça fait, c'est la 50e fois the 50th, que j'ai écouté ta prédication et toutes les fois que j'écoute c'est comme si on est en train de souder mon corps. They bring up my elle écoute together. La même chose encore et encore again. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? What is she doing? Elle est en train de reprogrammer son subconscient pour détruire les mauvaises idées qu'il a reçues. C'est encore et encore. Frère Branham me dit que Daniel, à Babylone, il écoutait les enseignements de Jérémie encore et encore, encore et encore. Et quand l'ange Gabriel est venu le visiter, les instructions qu'il lui a données, c'était en rapport avec ce que Daniel lisait. Même la révélation qu'il a reçue était une extension de la révélation de Jérémie. Jérémie avait parlé des 70 années. Quand Gabriel arrive, il dit 70 fois 7. Encore et encore. Tu as besoin God needs d'un homme, of a man, un nouveau maître, a new master, un bon père a good father, qui va dire who's going to say des choses things positives that are positive dans ta vie. In your life. Parce que ton blocus est dû aux informations négatives negative information que tu as stockées dans ton subconscient. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Voilà pourquoi, quand je vous dis prions dans de bonnes conditions, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que ça fait? Tu es idiot. Cet endroit-là, je vous ai amené ici, c'est pour vous reprogrammer. Parce que le because mauvais environnement when you're in a bad environment, amène mentalement mentally des pensées de limitation. The thoughts of limitation. Vous êtes limité. You are limited. Mais comment vous allez briser how are you going to break les limites? All those limits? Il faut d'abord first need vous changer change de milieu. Your environment. Amen. Amen. Voilà pourquoi parfois il y a des gens qui disent non, mais le pasteur là, il n'est pas au Congo. Il est en France. Congo, il est en Afrique du Sud. Africa, ou il est à Abidjan. Donc Abidjan. Pourquoi?
Pourquoi ils raisonnent comme ça? Parce que dans leur mental, ça ne peut pas sortir du Congo. Et tout le monde est programmé ainsi. Peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Alléluia! Donc tu vois, quelqu'un discute, non! Il suit le direct. On lui dit que ça se dit à Pointe-Noire. Ça se dit à Pointe-Noire. Il dit non, ce n'est pas à Pointe-Noire. C'est à Abidjan ou bien en Afrique du Sud. Tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui traduit en anglais. Pourquoi? C'est une programmation. Et tout le monde pense comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et voilà pourquoi le Seigneur vous visite. Il est en train de vous soigner. Ou est-ce qu'on peut bénir le docteur Jésus? Le grand médecin. Après avoir écouté un tel message, tu ne seras plus la même chose. Tu ne seras plus la même personne. Et ce message est venu pour vous rendre libre. La Bible dit que celui que le Fils a franchi est maintenant libre. Et quelqu'un peut dire, je suis maintenant libre. Je suis maintenant libre. Voilà pourquoi le premier ciel doit disparaître. Les premières informations qui nous a relégués à un niveau inférieur, ces informations-là doivent être détruites. Quelqu'un dit amen. Et ces informations du genre, dès que quelqu'un commence à faire le succès, faites attention. Et faites attention. Vous voyez, ça, même les chrétiens pensent comme ça. Faites attention, il va trop vite. Mais vous voulez qu'il va battre lentement. Pourquoi il vous, vous voyez, comment on est arrivé là? C'est l'environnement. Quand Dieu vous délivre, il peut vous changer même votre environnement. D'où le changement même d'amis s'impose. Your Dieu a dit à Abraham, God told Abraham, quitte ta patrie, quitte ta contrée, même la maison de ton père. Va. Alléluia. Non, mon frère. Non, oh non, je vais perdre tout ça. Oui, yes, tu vas perdre les idolâtres. Va à Canaan. Il y a quoi là-bas? Mais à Canaan, c'est là où il y a Melchisedec. Il y a Melchisedec là-bas. Tu ne peux pas évoluer dans ta mentalité et continuer à traiter avec des gens qui ont des mentalités inférieures. Ils vont te retarder dans ton développement. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à quitter, à sortir. To get out. L'heure est tellement avancée. Really no mais time. Je vous dis ce soir, ce matin, but I'm telling you this morning, amen. Amen. Nous rentrons dans une saison, we are entering to a season où vous allez vivre la gloire de Dieu. The glory of God. Vous allez vivre les miracles de Dieu par la transformation de votre pensée. Of your mind. Parce que la dimension de la because pensée, c'est là où naissent des créations. Frère Branham dit que les pensées de Dieu deviennent créations lorsqu'elles sont prononcées. Voilà ce que je suis en train that's de faire. Je suis en train d'injecter dans votre subconscient les pensées nouvelles. New c'est ça le ciel nouveau dans lequel les choses in anciennes ont disparu et elles ne reviendraient plus à mémoire. C'est dans ce ciel où la Bible dit que les faibles disent qui sont forts. C'est dans ce ciel dont je veux vous amener que les malades disent que je suis guéri. C'est dans ce ciel, alléluia, que les pauvres doivent déclarer que je suis riche. Parce que tout est possible. C'est toi-même qui définis ou qui définira ton devenir. Parce que les blocages que tu as reçus est la résultante ou le résultat des informations néfastes qui ont été stockées depuis ta famille, depuis l'école, depuis l'église et de par ton environnement. C'est ce qui a fait de toi ce que tu es. Alors, regarde autour de toi. Tu parles avec qui? Qui est ton ami? Comment pensent tes amis? Et quand tu arriveras à comprendre, tu te rends compte que peut-être dans ton groupe, tu es même le plus éveillé. Et les autres, c'est des médiocres. Comment tu vas évoluer alors que tu es entouré de médiocres? Il y a même des quartiers pour réussir. Hein? Des quartiers
où dès que vous réveillez, il y a des jeunes au coin de la rue en train de jouer à la carte. Busy playing cards. Dame. Checkers. Un quartier comme ça, an area like that, c'est difficile. It's hard. C'est-à-dire, si tu réussis, so if you succeed, c'est que tu es un cas particulier. Meaning you're a very different person. Quelqu'un dit amen. So I say amen. Vous comprenez? You understand? Qu'il faut commencer à regarder. You need to try and check. Pourquoi tous ceux qui sont autour de Why toi all those who are around me fait la même chose? Are doing the same thing. Pourquoi? Why? On a été programmé You've been programmed ainsi. Like that. Amen. Amen. C'est comme un enseignant. It's like a teacher. Donc le système l'a programmé. As the system programmed. Que toi, mais c'est ça you, la marque de la bête. Parce like, que moi je crois that, pas que la marque de la bête c'est la religion ou les gens qui vont se non. Sinon que la marque de la bête ce serait seulement les chrétiens. Then the mark of the beast will only be for Christians. Mais c'est un système qui programme des gens. That programs dans people. Le programme te dit non, toi tu seras enseignant. Et le programme sait que toi enseignant tu ne peux pas construire une maison en étage. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas te donner un crédit au-delà de 40 millions. Donc ça peut s'arrêter à 30 millions. Donc tu hypothèques, tu prends les 30 millions. Vite, qu'est-ce que tu fais? Il faut aller acheter une parcelle. Mais où? Pas à Timbamba. Mais à Nanga là-bas, tout ça. Ou à Mungumpuku au fond là-bas. Vous comprenez? Et dès que tu as un quartier où il y a l'eau, c'est difficile et tout ça. Il n'y a même pas de transport. C'est comme ça qu'on t'a programmé. Alors tu verras que la maison que tu vas construire, c'est comme la maison de ton père, mais un peu améliorée. C'est-à-dire qu'il faut vite faire. Vite faire parce que c'est l'instinct de survie. Et dès que tu fais tout ça, même si ce n'est pas fini, il faut déjà rentrer. vous comprenez? Parce qu'on t'a dit, il dit c'est comme ça. Maintenant, si tu trouves un médecin comme le docteur King, il va te reprogrammer. Il change ton système de pensée. Parce que changer de pensée égale à changer de vie. Equals to changing your life. Amen. Amen. Alors, so, tu vas acheter une voiture you're going to buy a car, que même tes amis enseignants even your friends qui ont été à l'université who have been at university vont commencer à chuchoter. Are going to start whispering. Il faut faire attention. You must be careful with that. Ça, ce n'est pas normal. It's not normal. Pourquoi ils disent que ce n'est pas normal? Why are they saying it's not normal? Parce que tu as transcendé, vous comprenez, le système. Parce que le système, vous avez déjà bloqué et vous avez accepté que moi, c'est ça. Or, c'est un mythe. Ça peut être changé. Et ces enseignements-ci vont nous changer. Parce que la parole déclare que nous sommes transformés par le renouvellement de nos pensées. Of our mind. Donc, changeons nos pensées, so, let's change our mind, nos vies seront complètement changées parce que Dieu Because lui-même, God avant himself, de créer, before creating, tout était dans sa pensée. Everything was in Et nous his mind. Reviendrons And we'll pour traiter les questions sur la pensée, of the, of les the visions, mind, vision, la visualisation, and the visualization les ambitions. Of ambitions. Qu'importe le temps que cela no va prendre, how much time it may parce take. Que, alléluia, 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 les gens sont assis là. People are Il y a des gens qui avaient déjà perdu la joie People de vivre, lost their joy of living. La joie du salut. Of salvation. Je pense que c'est des chrétiens, they des fils de Dieu. Ils font semblant qu'ils sont fils de But Dieu, mais à l'intérieur, like ils sont gaspillés, ils sont remplis de frustration et ils ne savent pas quoi faire. Mais j'aimerais vous rassurer que l'obscurité s'en est allée. Maintenant, la lumière est venue. Now it's time for the light. Alléluia. Alléluia. Il y a une saison nouvelle qui commence. A new season is starting. Un nouveau soleil a new sun se lève sur notre vie. Come up on us. Une nouvelle saison est a introduite. New season is now introduced. C'est un printemps perpétuel qui est inauguré. Un printemps où les semences arrivent à maturité. Un printemps de résurrection. Un printemps où les écluses des cieux sont ouvertes pour nous et il y a déversement des pluies en abondance. Cela dépend de tes attitudes. Cela dépend de tes dispositions pour s'accrocher à cela. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. God bless you.